Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de l'invitation pour votre congrès annuel de la Fédération nationale de la libre pensée et je remercie en particulier David pour son invitation. Je m'excuse de ne pouvoir être parmi vous cette année. C'était avec grand plaisir que j'y étais l'année dernière et je vous apporte le salut fraternel et amical de l'ensemble du bureau confédéral de la Confédération générale du travail, Force ouvrière. Nous sommes dans un contexte particulier où, au niveau des politiques qui sont menées, comme depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons affaire à de la rigueur budgétaire, à de l'austérité, à des politiques dites de compétitivité ou de flexibilité, bref, de la déréglementation, de la dérégulation, du tout entreprise, donc des politiques ultralibérales. Je dirais que ça n'a pas changé, que ce soit avant-hier et que ça s'appelait la révision générale des politiques publiques, la RGPP, que ce soit hier et que ça s'appelle la modernisation de l'action publique, ou que ça s'appelle aujourd'hui CAP 22, CAP de désespérance. On est dans la même logique. On est dans une logique ultralibérale, on est dans une logique capitalistique et on est en train de casser peu ou prou, ici ou là, les droits sociaux et de réduire tant la sécurité sociale collective que le service public républicain. Ça prend des proportions plus grandes depuis un an, mais c'est la même logique. Là où nous avons une différence, et une différence majeure, je vais même dire une différence historique, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de ces politiques régressives et de ces contre-réformes ultralibérales, nous avons une vision. Une vision qui est portée par le président de la République. Alors, je ne sais pas s'il est encore président de la République, je vais dire le chef de l'État. Une vision qui est portée par le chef de l'État et qui est une vision de l'individualisation, du chacun pour soi, de détruire systématiquement, chaque fois que c'est possible, les cadres collectifs. On pourrait prendre l'exemple de la SNCF sans être trop long. Mais la question de l'ouverture à la concurrence de la SNCF date d'il y a une dizaine d'années. Je sais que le chef de l'État aime bien dire que le monde s'est créé en mai 2017, mais en l'occurrence, l'ouverture à la concurrence, c'est quelque chose qui est sur les rails, à défaut d'être dans les tuyaux, depuis une dizaine d'années. Ce qu'il fait là, c'est bien sûr qu'il va vers l'ouverture à la concurrence, mais il utilise ce contexte d'ouverture à la concurrence imposée pour faire en sorte de casser idéologiquement et dogmatiquement le cadre collectif de 127 000 personnes, c'est-à-dire le statut des cheminots. Il va faire exactement la même chose avec la rigueur budgétaire. La question des 30 milliards d'économies, ici ou là, n'est pas franchement la priorité. La question des 120 000 postes de fonctionnaires en moins sur le quinquennat, c'est même pas sa priorité. L'objectif, c'est de faire en sorte, à coup de rigueur budgétaire, de supprimer le cadre collectif de 5,4 millions de femmes et d'hommes, ces engagés du quotidien, nos héros ordinaires, nos fiertés républicaines, ces fonctionnaires, ces agents publics, de casser le statut de ces 5,4 millions de femmes et d'hommes. À chaque fois, l'objectif n'est pas la politique ultralibérale, elle est dans les tuyaux et elle se fera de toute façon. Mais c'est d'utiliser le contexte pour faire en sorte de casser soit le statut, soit les conventions collectives. Dernier exemple, pour ne pas être trop long, la question de la fusion des branches. On en parle depuis des années et elle est en cours depuis 5-6 ans. Eh bien là, on a un président de la République qui est en train de dire, peu importe, in fine, le nombre de branches, qu'elles soient 50, qu'elles soient 200, la réalité, c'est que maintenant, il faut fusionner les conventions collectives pour faire en sorte de les réduire à leur plus simple expression et que demain, il ne reste quasiment plus aucune convention collective. Donc, on utilise à chaque fois le contexte, réforme de l'État, réforme budgétaire, austérité financière, ouverture à la concurrence, fusion des branches pour à chaque fois utiliser la destruction du cadre collectif. C'est la même chose pour la formation professionnelle, où on passe d'un droit collectif, qui est celui des heures, à une somme individuelle qu'on renvoie individu par individu avec la responsabilité de se former soi-même, tout seul, dans son coin. Et ce sera la même chose avec le projet de réforme sur les retraites, où dogmatiquement, idéologiquement, on passe non pas à une logique de capitalisation, mais on passe à une retraite par points. Une retraite individuelle où on renvoie sur tout le monde la responsabilité de construire son parcours personnel tout seul dans son coin et d'essayer d'amasser des points pour essayer de faire en sorte d'avoir un petit pécule à la fin de la vie. Sauf qu'en l'occurrence, il n'y aura jamais de départ à la retraite parce qu'il n'y aura jamais assez de points pour pouvoir partir décemment. Ce qui est en train d'être mené, c'est la retraite des morts. C'est une politique, c'est une vision qui est menée
pour les 5-10% de Français qui ont eu soit la capacité, soit les moyens, soit la chance de réussir tout seul, sans les cadres collectifs que sont les conventions collectives, les statuts, les cadres d'emploi, la sécurité sociale collective ou le service public républicain. C'est une politique qui est menée pour les 5% de premiers de cordée. Encore une fois, celles et ceux qui ont eu la chance de réussir tout seuls, sans le cadre collectif, au détriment des 95 autres pourcents. Le chef de l'État nous dit « Je ne crois pas à la théorie du ruissellement ». Ça tombe bien, nous non plus. Sauf que lui, ce qu'il met en place, c'est une politique d'évaporation. On remonte tout sur les 5% qui ont réussi tout seuls, et malheur à tous les 95 autres pourcents qui doivent se débrouiller seuls et rester dans leur coin. Sauf que cette politique ne marche pas parce que les premiers de cordée, ceux qui sont tout en haut, ça fait longtemps qu'ils ont coupé la corde, ça fait longtemps qu'ils ne tirent personne. Et c'est ce que montre le président de la République quand il ose venir sur le fait de nous dire que nous dépenserions un pognon de dingue pour les 14% de Français qui sont aujourd'hui déclarés pauvres. C'est quelques sommes de milliards réinvestis solidairement, collectivement pour les aider, c'est à la fois une digue, parce que sans ces aides publiques, nous passerions de 14% de pauvreté à 22% automatiquement, mais c'est aussi une main qu'on leur tend, une corde, pour reprendre l'exemple du chef de l'État, une corde qu'on tend à celles et ceux qui sont dans les 14% de trappe à pauvreté pour essayer de les hisser et pour essayer de les monter. À défaut d'aide de tout en haut, heureusement, le socle du milieu fait en sorte d'aider les plus démunis d'entre nous. Parce que nous sommes une république. Et parce que dans cette république, nous sommes bâtis sur un collectif, une logique d'égalité de droit, une logique d'égalité de traitement. Parce que c'est bien beau d'avoir une vision, mais ce qui est dramatique, c'est d'avoir une vision d'individualisation sans valeur, sans aucune valeur, pas de valeur d'égalité, pas de valeur de fraternité, pas de valeur de solidarité, et donc pas de valeur non plus sur des éléments aussi fondamentaux que la laïcité. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions-là, avec cette valeur du chacun pour soi, qu'on oppose les uns aux autres, en faisant devenir la laïcité une logique dite de neutralité qui devrait se faire partout dans notre société. Pour la première fois, à Force ouvrière, nous avons, lors du dernier congrès confédéral, décidé de nous donner collectivement le mandat sur des éléments en matière de laïcité. Nous n'avions jamais écrit collectivement un mandat national sur cette valeur républicaine de laïcité auquel nous sommes pourtant tellement attachés. Nous y avons rappelé collectivement et avec un vote de la résolution à plus de 99%, que pour nous la laïcité doit rester la laïcité au sens de la séparation. De la séparation de l'Église et de l'État, mais aussi de la séparation entre la sphère publique, dans laquelle la neutralité doit absolument s'appliquer, et le reste de la société, dans laquelle la liberté de conscience, la liberté de s'exprimer, la liberté de croire, doivent pouvoir se mener. C'est pour ça que nous refusons de tomber dans le piège, que ce soit aux organisations syndicales, dans l'entreprise, dans la branche ou au niveau national, de définir dans leur coin une espèce de charte ou des éléments de contrainte de laïcité pour contraindre les femmes et les hommes de l'entreprise à avoir un certain code ou une certaine spécificité. Nous sommes une organisation syndicale, rien qu'une organisation syndicale. Nous défendons les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité et de laïcité. Nous ne nous laisserons pas enfermer dans une logique de chacun pour soi où on voudrait opposer les uns aux autres et reprocher à une représentante de l'UNEF de s'exprimer au nom de son organisation avec un voile sur la tête. Qu'elle ait eu un voile ou qu'elle ait les cheveux bleus, c'est la même chose. Elle est libre de pouvoir le faire et de représenter librement son organisation. À Force ouvrière, nous sommes un syndicat, rien qu'un syndicat, et de ce point de vue-là, nous défendrons bec et ongle, et sur la même ligne que la Fédération nationale de la libre pensée, les valeurs républicaines, à commencer par celles de laïcité. Je vous souhaite un excellent congrès à toutes et à tous, en espérant pouvoir continuer à échanger avec vous dès cette année et dans le futur. À bientôt, bon congrès à tous.